Bonjour mes élèves et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Aujourd'hui, nous allons écouter un dialogue pour vous montrer comment exprimer un conseil ou une recommandation. Unité 5, semaine 23. Unité 5, page 148. En classe, le professeur discute avec ses élèves au sujet de l'accident d'un enfant. Il les conseille et leur donne des recommandations. Dialogue 2. Décrivez-moi cette scène au tableau. Il s'agit d'un enfant victime d'un accident de circulation. À votre avis, pourquoi cela est-il arrivé? Parce que l'enfant n'a pas fait attention en traversant. L'enfant n'a pas respecté le feu de signalisation. Écoutez, mes enfants, je vous recommande de faire très attention quand vous êtes sur la voie publique. Marchez sur le trottoir et jamais au milieu de la chaussée. Qu'est-ce que vous nous conseillez, monsieur? Je conseille de faire attention aux voitures et aux motos. De ne pas vous hasarder sur la chaussée quand il y a des véhicules. Bien sûr, monsieur, mais ça ne suffit pas. Vous avez intérêt à être très attentif et vigilant quand vous traversez une chaussée. Traversez toujours sur le passage pour piétons. Moi, si j'étais à la place de cet enfant, j'aurais attendu que les voitures passent. Le mieux serait de respecter le code de la route. Voilà mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui. À très bientôt.